précédemment. Les verts sont sur la bonne voie pour résoudre l'énigme. Du côté des marrons, c'est un peu plus compliqué. Ils n'ont pas encore réussi à trouver le code du cadenas. L'épreuve d'essence a été remportée par les marrons haut la main. Cette victoire permet aux marrons de prendre une longueur d'avance sur les verts. Nous retrouvons les Pilatao sur leur camp après cette deuxième défaite consécutive. Alexandre, en bon chef d'équipe, remotive tout le monde et il a raison. Tout n'est pas fini et il reste encore plusieurs épreuves. Eh non, ça fait pas trop compère. La première, elle compte pas. Pour le camp, d'accord, moi j'y étais pas, en plus ça compte pas. Point barre, pas grave. La deuxième, on la perd à un chouï. Celle-là par contre, celle-là, on ne mérite pas de la gagner. Ah non, oui, celle-là, mais par contre, ça veut pas dire qu'on est là. Non. Là, on était pas bon là. C'est pas grave, faut pas se démotiver. Non, mais je suis pas démotivé. On n'est pas démotivé. Bah, mais ça fait chier. Ça fait toujours un petit niveau là. C'est frustrant parce qu'on a été, on n'y est pas arrivé du début à la fin. Voilà. Mais il n'y a pas un binôme qui a été meilleur que l'autre. Il n'y a pas un binôme qui est. Voilà, on peut pas. C'est la faute à tous là parce qu'on a tous été mauvais. Bon, on a faim là. Bon, allez, non, il nous faut des forces. Je suis plutôt à faire que pétrole et à faire rose. Peut-être qu'on se mange avec du sucre. Ah, mais il n'a pas énorme, hein. Oh, il y en avait quand même. Oh, il y en avait pas mal, en chance. On va l'avoir. Ah oui, est-ce que ça. Ouais, pourquoi pas, dans l'eau chaude. Peu d'eau alors, peu d'eau. Ouais, peut-être que ça serait peut-être plus sucré. Tenez, à la tisane, à la diète. On vit notre aventure. Alors, autant au niveau des. On se purge ce week-end. Au niveau des épreuves, on la vit pas forcément comme on voudrait, mais au niveau culinaire, je pense qu'on la vit bien. On pourra dire qu'on l'a vécu comme il faut. Oh, ça arrive. Ça fait tellement pas beaucoup. Waouh. Oh là là. Et là, t'imagines, il tombe. J'ai bouffé quand même, je m'en bats les couilles. C'est notre jus d'ortie là? Ouais. Ah, non, c'est mais... le reste de votre infusion d'ortie si vous le voulez. Non, oui, non, ah ouais. Non. On n'a pas de couteau. La machette. Oh. Allez, fais un peu. Oh là là, on a tout coupé avec. Vous voulez un peu de maillot? Elle était hardcore, elle, par contre. Waouh. Je sais pas si ça fait du bien ou si ça fait du mal en fait. Elle, si tu la coupes en 3, elle, tu la coupes en 2, elle, tu la coupes en 2. Si tu la coupes en 3, celle-ci, ouais. Celle-ci en 2, ouais. On a 5. 6, 8, 7, 8. Voilà, mangeur 2 fois. Allez, servez-vous les filles. Allez, les jeunes, prenez les grosses. C'est bon. Allez-y. Tiens. Allez, prends ça. Bon appétit. Bon appétit. Vas-y, ça fait du bien quand même. Ouais. Mais gaffe, elle en fait tomber. Putain, sa mère. T'es une race. C'est vrai que j'ai jamais aimé autant la pomme de terre. Tu la manges pas entière, hein. Ah bon, tu dois me la donner normalement. Ah oui, tiens, je t'en prie. Non, je rigole. Ouais, mais c'est incroyable. Ça, maman, c'était pas. Waouh. Non, on va refaire, moi j'ai bien aimé. Avec des fleurs. Avec des fleurs. C'est fini. On va faire une. Bah, merci Bocuse, hein. Nickel. Oh putain. Oui. Bon, putain, je parlais, je l'ai même pas apprécié. C'est vrai? Ouais. J'y parle tout le temps en même temps. On prendra pas de dessert, hein. C'est pas la peine de rester. Est-ce que vous pourrez juste demander à Lolita si elle peut venir nous voir? Ah oui, elle devait passer, Lolita. Par contre, vous pouvez vous reprendre votre écuelle. Regarde, il reste là, gros. Sur le côté, là. Miel, un petit morceau. Donc là, vous avez le ventre bien plein, vous voulez faire une sieste, c'est ça? Tout à fait. Non, bah, allez, on va chercher, non? Je suis chaud pour aller chercher. On va attendre Lolita. On attend Lolita. On va voir la réponse. Putain, j'ai un coup de mou, moi aussi. Un petit coup de moins bien. Ça serait bien, oui, qu'on gagne parce que mon frère en face,
serait con qu'on se parle plus à cause de cette émission. Parce que je le connais et... Hein, Bert? Ouais. Donc je pense qu'il va vite falloir qu'on les... Mais bon, ils ont été meilleurs. Hein, donc... Ah, mais sur celle-là. Pas gros, hein. Allez, Chapi. Qu'est-ce que j'ai dit à table? Et tu vas voir quand elle va poser l'assiette. J'ai filme leur tête là. Quand elle va poser l'assiette, surtout. Raph, c'est pour nous, 8. Ah oui. Ah oui. Vous avez consulté le menu, monsieur? Aïe, 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 aïe. Vous êtes trompé dans la commande, je crois. On est allé loin et tout, machin. Il n'y a, ah oui, a pas un fruit des bois. Il n'y a rien. Ah, pas une framboise, pas une fraise des bois, pas d'airel, pas de mur, rien. Je suis descendu jusqu'en bas. C'est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Je suis contente. Voilà, mon... Parce que si tu coupes en deux chacune, ça fait 6 parts. Même si tu le coupes en deux et les deux grosses en 3. C'est à peu près équivalent. 3 et 3, 6 et 2, 8. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Vas-y, toi, c'est pas grave. Le milieu, il y a plus de chair. Ouais. Mais c'est pas grave, je prendrai un côté, moi, je m'en fous. Moi, là, après manger, je vais chercher des trucs à manger. Vous viendrez vous passer. Oh putain, qu'ils sont bons. Bon appétit, les gars. À manger, vraiment. Bon appétit, c'est le meilleur repas de ta vie, ok? Ouais. Peut-être pas le meilleur, quand même. Vous savez quoi? C'est très bon. Petite bouchée. Ah oui, bah oui. Parce que ça, normalement, c'est 3 secondes, on est bien d'accord. Ils sont bons. Il n'y a pas eu de couchage. Ouais, ils sont super bons, champions. Ceux qui sont al dente, tu vois, un peu durs. Pas cuits, quoi, limite. Non, je sais pas. Ouais, on stresse pas quand les épreuves t'as vu. On est à la cour. Si vraiment vous aviez eu de la pression, ça aurait été différent. Bah, on était au troisième, ils étaient pas sortis. Alors je vais dire Dira, non, parce que dans le sens où on a vraiment trouvé les deux et les autres, mais moi je. Ah, mais ils auraient bloqué pareil. Oui, ouais. Renard, fouine. Pas pensé au blaireau, et en fait il y avait les vers, j'aurais dû regarder les vers. Et... Quand tu connais des personnes en face, t'as le droit. Oui, bah oui. Quand tu sais qu'ils mangent, je te jure, si vous saviez, mon pote Berthe. Il a un nez. Oui. Il n'a aucun odorat. Ils sont pas stratégiquement. Par là. Mais que, stratégiquement, ma femme elle va me dire comment ça t'as pris les preuves. Parce que moi j'ai un problème avec une oreille. Mais pas les deux. Mais je lui dis, mais pas les deux. Ouais. On a 3 victoires et on mange 4 patates, putain. 4 patates? Il y avait 3 patates là. Ouais. Ah, moi je suis quasi bourré là. Fais le tour de ta patate. Ouais. C'est comme un resto gastro, tu sais, il n'y a pas beaucoup de quantité. Oui, c'est ça, mais normalement, il y a d'autres choix. Oui, là, c'est 6 ou 7 services, ouais, ça c'était bien pour les amuse-bouches. Par contre, il faut absolument qu'on trouve autre chose pour demain midi. Moi, je vais y aller, là. Après, il faudra un petit dessert. Ah, mais ça va être plus compliqué, là. Il faut des fruits. Vous aimez les magnums? Oui, énormément. Les vers pensent avoir résolu l'énigme et se demandent ce qu'ils doivent faire après. Lolita se rend sur leur camp pour leur donner la dernière étape de l'énigme. Allez, posez votre question. On a des chiffres. Vous en êtes où? Tout ce que vous avez, vous avez validé pour vous. Ouais, pour nous, ouais. Donc, je peux vous donner la dernière étape. Ah, voilà. Ma question, c'est qui sommes-nous? Waouh. C'est tout. Allez, bisous. Il n'y a pas de rigote quelque part. On était trop contents. Oh, le fromage, la désillusion là, waouh! Déception pour les vers, car ils pensaient que l'énigme allait les guider à de la nourriture. Et non, les vers. Pour gagner de la nourriture, il va falloir remporter l'épreuve de cet après-midi, l'épreuve du gando. C'est comme le L, il tenait. Ah, c'est d'être parlé en gaga un peu. Ouais, dans une boîte. Gaga, mais je connais pas cette langue, le gaga. Il tenait attends. Fil d'artisan. Oh putain! Celui-là? Ouais, je l'ai. Parle doucement. Je l'ai, attends. Calme-toi, canalise ton... Ouais. Ça, c'est comme un poème. Non, c'est le fromage. Dans son bec. Ah, mais c'est... C'est Jean de la Fontaine, c'est le corbeau et le renard. Maître Corbeau, c'est là, le berger, t'as de... Mais c'est qui? Le corbeau et le renard. Putain, bravo. C'est la fable. Et c'est pour ça qu'il y avait une autre fable. Mais carrément, nous, il y en a deux. C'est ça. Et puis, c'est le corbeau qui est sur la branche. Mais oui. Putain, t'as filmé là pour ma femme. Tu sais comment ça s'appelle? T'as une fulgurance. Non, c'est pas une fulgurance. Parlez-moi fort. Je l'ai écrit en. Ah, tu l'as écrit. Comme un poème. Ben oui, du coup. Mais pas les films l'année dernière, pareil. L'équipe verte a trouvé. D'un travail d'équipe du début à la fin. Ah ouais, vraiment, bravo à tous. Hein. On nous a donné la boîte il y a 1h30, 2h. On a fait des preuves entre les deux. Voilà. Voilà. Par contre, bien ça, parce que si on perd, on est meilleur avec les boîtes. On aura quand même été très bon là.
Avec une grosse barquette de frites à côté là. Badigeonnerais du ketchup comme ça. Tu jettes les frites comme ça. Hop. Et elle a par terre, je m'en fous, on remet une barquette. Avec les frites. Grave. On peut monter sur notre toit. Tu vois, on a fait un toit terrasse nous. Alors rooftop. On a fait un toit rooftop. On a un rooftop monsieur. On veut faire la belle étoile. On peut. Les vermisseuses, ça fait pas donc. Non, mais c'est pas ça. Ah, ça peut être zéro le vermisseuse. Prenez-vous pas la. Regardez, mais on se prend la mouches, tête, elle, ça fait rire tout le monde. Et puis c'est les mouches. Oh, là-bas, ils ont trouvé direct. Ouais. En fait, c'est un truc qui nous vient pas. Parce que nous, on a. Voilà, on est là-haut, l'intelligence. Et des trucs bas comme ça, mais. Ça va trop chercher. C'est pas de notre niveau. On va trop chercher. Faire des codes au hasard. Vas-y. Tu peux la mettre au milieu, d'accord. Ouais. C'est un truc tout simple. Pose-la, pose-la. Salut les marrons! Hola, hola. Vous avez fait la sieste? Non. Non, on s'est trouvé ce putain de conne. Moi je mangerais bien n'importe quoi là. Ouais. En fait, un chocolat, je dis pas non, mais si c'est autre chose, ça me rend pas. Dommage, j'ai pas si fou. J'ai pas si fou. Non, mais moi non plus ça va. Moi le fait, c'est vraiment j'aime bien. Ça me gargouille. Ça a commencé à faire vous un petit peu. Moi ça m'a ouvert l'appétit de manger, tu vois. Par contre, moi ça brasse. Ça brasse, ouais. On va faire les marrons. Une pointe sportive, non? Ouais. Un relais? Bah oui, relais. Si on est allé chercher de l'eau. On va courir en pente. Ou ramper. Ou aller dans l'eau. T'as pas vu le mec qui est passé tout à l'heure en courant? Ouais, si. On voulait lui faire un croche-patte parce qu'il y avait des balistos dans son sac. Il avait. Ouais, on a mangé de la patate, on est chaud là, ça y est, on a la patate. La patate? On a la patate. Ah, mais il y a une porte d'entrée. Voilà, vous rentrez pas s'il vous plaît. Ok? Et le code, vous demandez? Non, vous savez pas. Les verres, ils savent. Je t'ai dit, on est chaud, pas ça. On est chaud, là. On est prêts. Est-ce que tu veux voir les transformations de notre... Oh, l'escalier. Ouais, incroyable. Alors, petit escalier pour les personnes valides. On va faire ses preuves. Donc, pour les personnes valides, ici. Et on a un accès PMR, là-bas. Voilà. Accès PMR, c'est marqué. Pas mal, non? Pas mal. Ah là, vous êtes des machines de guerre, les gars. Là, de toute façon, même s'ils gagnent, je leur le défends. On fait les chiens, on ne partage pas, on fait les chiens. Avec qui? Avec les autres. Ah non, on va pas partager. Ah bah, alors moi, là, je suis là, genre, je fais chien. Et je pars comme ça, ouais. Je fais tout. Tu vas le manger devant eux. Ouais, mais après, s'ils gagnent, moi, je suis pour qu'ils partagent. Hein. Moi aussi. Oui, ça, on peut leur dire. Mais par contre, ouais, voilà, c'est ça le truc. Ça, on peut leur dire. Allez, vous êtes chaud ou quoi? Oui. Je me sens pas. Là, tout de suite, non, mais ça va venir. Les équipes sont convoquées pour la prochaine épreuve. J'espère qu'ils n'ont pas oublié ni leur gourde, ni leur cardio. Car c'est une épreuve sportive qui les attend. Bonjour à tous. Bonjour. Je pense que l'épreuve ne vous a pas échappé. Ouais, bah non. On a préféré... Bienvenue à batailler. On va batailler, ça on va batailler. Et donc, c'est l'épreuve du gando à gagner. Du saucisson, ouais. Du pain, ouais. Du chocolat, ouais. Et du fromage. Ah, ouais. Ça. C'est un relais. Vous avez le droit de définir votre ordre de passage. Une fois que tous les participants sont passés, check dans la main, c'est les premiers arrivés qui remportent l'épreuve. Voilà, le parcours est sélectif, là, donc faut pas prendre de... On y va, on se fait plaisir. On se fait plaisir, on pense à la soupe d'ortie de tout à l'heure. Et bien les fusées, les fusées devant. On pense bah non, qu'il y a un petit peu de fusée, il en faut derrière aussi. Goûte, hein. Non oui, oui, vas-y. On fait un peu au compte-goutte, non oui. Garde Stern, là. On fait comment, du coup? Mais il en faut un, il faut, je pense qu'il faut un rapide à la fin, non ouais, ouais, rapide à la fin. Et bah, il part, termine, termine, il termine. Il termine. Ah, mais s'ils ont déjà fini, ouais, il est content, moi. Je vais encore rien, ça veut rien. Vas-y, je serai rapide. Vas-y, j'y vais, j'y vais. Mais moi, tu vas en dernier? Non, j'y vais en dernier. Moi aussi, je peux y en dernier. Allez, on y sera en dernier avec Bert. On verra tous les quatre après sur la deuxième partie. Faut s'échauffer les articulations. On sait jamais. Fred. Ouais. Ouais. Bon, bah. Pila, pila, pila. Ciao. Pila, pila, pila. Ciao. Pila, pila, pila. Ciao. Allez, Baptiste. Allez, Fred. Allez, Max. Allez, go. Allez, Max. Allez. C'est parti. Le batailler est lancé. C'est Baptiste chez les Verts et Frédéric, le chef d'équipe des Marrons, qui commence la course. Pas touché.
Les Verts ont une petite longueur d'avance grâce à Baptiste qui a réussi à passer tous les obstacles du premier coup. Allez. Léa a déjà rattrapé Frédéric. Les Verts continuent donc avec un tour d'avance. Allez Fredo, allez. Yannick et Stéphanie se suivent à la poutre, mais les Verts ont toujours un tour d'avance. Les Marrons vont devoir redoubler d'efforts pour les rattraper. Allez, droit devant, ça passe. Allez, presse. Les Marrons ont rattrapé leur retard et les assaillants sont au coude à coude. Et parfait, go. Comme ça, nickel, bravo, nickel, c'est parfait. Allez, Allez Virginie, allez. Parfait. Allez. Tiens. Les Verts reprennent de l'avance et ont de nouveau presque un tour d'avance. Allez gros, allez. Allez.
Avant-dernier passage pour les Verts, tandis qu'il reste encore 3 passages chez les Marrons. Ils vont devoir redoubler d'efforts s'ils veulent pouvoir espérer rattraper leur retard. Parfait, parfait, accélère, accélère. Décidément, la poutre en aura fait voir de toutes les couleurs à nos assaillants. Alexandre est le dernier à partir chez les Verts. Ils ont de l'avance sur les Marrons, mais ne sont pas à l'abri d'être rattrapés. C'est gagné pour les Verts, ils remportent le bataillon. Mais les Marrons ne lâchent rien et décident de terminer l'épreuve quand même. Tout le monde encourage Mathieu pour ce dernier passage. Les Verts ont gagné, ils remportent donc le Gando, récompense de cette épreuve. Incroyable. Allez. Je dois en remercier la prod là, incroyable. Il est massif, il est trop beau. Vraiment énorme. Bien joué. C'est bien mérité. Vous parlez au nom de l'équipe. J'en ai pas trop parlé à l'équipe, mais on va pas tarder. On va partager. On va partager. Ah, pas, on fait les chiens. Avec qui? Avec les autres. Ah non, on va pas parler. Ah, bah, ouais, je sais que tout le monde le fait pas, mais moi je fais pareil. Et là, Léa, non, moi je veux, j'ai plus 100%. On va partager. Magnifique. Et comme ça, vous pourrez partager vos points. Il n'y aura pas de gagnant. Voilà. C'est finement joué. Merci les Blancs. Merci à tous. Rendez-vous avec la Blancs. Merci les Blancs. Génial. Alors, compte rendu de l'épreuve. La poutre, c'était compliqué. C'était dur, ouais. Mais sinon, elle était humide. Bien, hein. Ouais, bons obstacles. Carrément. Ouais. Plus de poumons. Bien physique. On lui cherche, là. Ah, bien joué.
Allez, allez, allez. Bien joué. Allez, allez. Ils sont où les autres? Prends-toi, s'il te plaît. Ah ouais. Là, là, deux autres. Il manque quelqu'un, il manque. Apéro chez vous ce soir, on amène la cochonnerie, mais trouvez-nous des petites. Des petits toasts. Des cocktails, on veut des cocktails. Eh ben on vous rejoint. J'ai les cadeaux si vous voulez. Vous n'avez pas vu passer l'autre tout à l'heure en courant, j'ai cru que je vous mettais un. Mais super bon, parce que je suis sûr qu'il avait des barres de vitamines et tout dans son sac. Ah ouais. Je suis désolé, je voulais vous. Ça peut être désolé tout à l'heure, je l'ai dit comme ça, mais en vrai, je ne sais pas si je partage. Non mais oui. J'étais pas qu'on se sert pour dire qu'est-ce qu'on fait. J'étais mauvais. Non, toi, t'es un. On lâche rien. Ouais. Ah putain, mais. Wow. Tout ce qui se passe dans le pilat reste dans le pilat. T'as montré la boussole. Je voulais vous féliciter encore, les gars. Bravo, merci à toi. Parce que c'était beau. Ah, c'était beau à voir, c'était bien. Et... C'est bien, mon frère. Et je suis content de moi aussi parce que je pensais pas passer. Ouais, bravo, bon, toi. Bien joué. Vous avez assuré. Très bien, monsieur, bravo. Ouais. Et franchement, vous êtes une belle équipe. Et bien, vous aussi, hein. Ouais, mais. Ça se voit, hein. Pas tant que ça. Oh bah. Pas surtout. Là, on n'a pas, peut-être pas été. Vous avez été très stratégique. Je pense que c'est ce que aussi. Je pense que c'est la rotation. Ouais, la rotation, c'est la rotation. Ouais, ouais. La bonne rotation, ouais, c'est vrai. Et c'était hyper important. Et nous, on s'est posé beaucoup de questions. Et on l'a raté. Alors, mais ça n'empêche pas. Vous avez un meilleur. Vous êtes. Hein? Vous avez un meilleur fils. Odora, ouais, mais il n'a qu'une épreuve. Merde. Tout le reste, c'est du sport. Merci. À tout à l'heure, on arrive pour l'apéro. Prépare les noix de cajou. Et bah, Nico, tu peux aller te coucher, c'est bon. Nico, va te coucher parce que quand tu dors, t'es meilleur. Allez. Tu vois, je dors pas pour rien. On va pouvoir t'en servir ton chemin PMR pour moi. Pila, pila, pila. Go. Pila, pila, pila. Go. Pila, pila, pila. Go. Il est pas grand le morceau de sauce, les copains. Ouais, ça c'était sûr. Il y a des poils de jute. Ah ouais, mais on va faire 8 tranches. On est combien? 16? On va faire 16 tranches. Et puis voilà. Il y a deux bouts de pain. Ça, c'est une portion par personne. Par contre, les tranches, il va falloir les faire avec ça. Ouais, il y a du fromage. On va faire 8 tranches épaisses qu'on coupera en deux. Ah ouais, t'as raison. Et le fromage, on fait pareil. Il faut qu'on en garde pour demain. Non, non, on partage tout en deux. On a dit on part. Ah, mais vous n'avez pas partagé encore? Non, il y a deux bouts de pain. Ah ouais. Et la poutre, ouais, tu cogites, dès que tu tombes deux fois, tu dis putain. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais après, tu dis putain, je vais l'avoir. Moi, ça m'a mis la pression, ouais, cette poutre. Ah, Nico, t'es parti comme une balle, et après, la poutre. La poutre, j'ai merdé. Non, mais t'as pas merdé. Ouais, mais par contre, t'es parti deux fois. Ah, c'est chiant en fait. C'est et quoi, non, c'est, et c'est qui a loupé les... Moi. Ah, il voulait tellement aller vite. J'ai loupé le premier obstacle en partant, moi. Il s'est dit, attends, moi, je veux le sauce. J'allais passer par la clôture, moi. Ah, bien sûr. Ouais, mais tu sais qu'en vrai, ouais, moi, il m'a fait un peu flipper hein. Quand je suis arrivé. J'ai vu le parcours, j'ai fait ouais, on est dans la merde. Le partout, j'ai fait quoi? Le dernier, non, il était horrible à passer. Il y en a qui ont des le quatrième, là, partout, là. Celui qu'il faut pas chier. Il était trop haut. Le grand, là. Il était trop haut. Il fait 1m58, je te dis pas. Ouais, ça aussi. Le truc, il arrivait là. Steph, le premier morceau de saucisson, c'est pour toi. Putain, comme il va être bon ce saucisson. Moi, j'adore le saucisson, mais là. Je pense que ce soir, il va vraiment être... Oui, est-ce que je mouille mes coudes? Vas-y, dis-le bien vite. Tu vas voir comment ça va finir l'histoire. Pour le casse-croûte, nous on avait dit, enfin moi j'aurais proposé pareil, comme ça c'était fait après. On partageait? Je suis pas sûr que. Oui, du coup ils étaient tous. Nous on avait déjà parlé. Ouais, j'avais plus ou moins d'accord. Moi, ça m'aurait pas dérangé, moi on était pas tous d'accord. Moi ça m'aurait pas dérangé de partager aussi. J'avais une serviette quand même. T'es un bon toi. Lui il s'est rien fait fouiller. Si, j'y suis. Bah maintenant tu peux les sortir les chipsters. Hein. Les Verts ont finalement choisi de partager leurs gains avec les Marrons. Les deux équipes se retrouvent chez les copains pour passer un beau moment de partage. Vous n'êtes pas trop crevé, ça va? On s'est donné à 50%. Avec un coup, on a donné 50% de nos capacités. Ouais, ouais, même pas. Bah, nous aussi, on voulait être sûr que vous en gagniez une, tu vois. Voilà, voilà, hein, ferme ta gueule. Bon, tu le coupes ce soir, ça va être, on va pas regarder les cailloux comme ça. Par contre, tout le monde a ses max à un jour, là. Ah merde. Faut couper un caillou, là. Parce que le tétanos, là. Elle se coupe sur quel pas, vous avez pas un rondin pour couper, vous là? Les rondins, vous avez pas un dessous de plat? Allez, donne la brique. Allez, on prend la brique. Parce que le coup du tabouret, quand même, je suis bien choqué. Il y a Laurie qui vient. J'étais dans un autre pays. Ouais, nom de Dieu. Foi Dieu, fouillard, mon frère. Il m'a chicané, au nom de Dieu. Ah bah là, on l'avait perdu. Je comprenais rien. Ah, je m'excuse, c'est pas hyper précis. C'est pas hyper propre, François. Soit tri. Alors, il va falloir que j'en fasse 16. Hein. Non, fais-en 8 et tu les coupes en deux, Alex. Une chose est sûre, c'est que la prod n'aura rien. Ceux qui ont raté la prod. D'orange, il faut aller la chercher. Hein. Oh, la fleur d'orange. Non, fais ça, je là, vous avez une bonne stratégie.
cool. Autant ce matin quand vous mettez d'herbe sur les poils des narines alors qu'il a les cloisons bouchées, ce n'est pas une super idée. Et bah tu sais quoi, pas encore assez neuf. Bah non, mais on le verra trouver. Ben moi j'ai mangé du barabang tout à l'heure, c'est la merde. Ça commence à tourner dans le ventre. Mec, j'ai mangé de l'ortie, J'ai mangé de l'ortie. Sers-toi, vas-y, on fait passer. Sers-toi. Petit, hein. Et maintenant, je suis vers la Suisse. Appétit. Bon appétit. Merci les verts. Bravo les verts, vous êtes là. Vous avez bien géré. Merci beaucoup. Merci. Chez nous, tout le monde n'aurait pas peint. Chez nous non plus, mais bon, on est obligé. C'est le qui décide. Hein. Mais j'ai l'impression que le jeu n'y parle pas spot. Hein. Eh oh, oh, tu te calmes. Alex, tu couperais pas le fromage. Nico, on l'entend là. Quand il s'agit de dormir. Il parle jamais. Oh, fromage là-haut. Tu as coupé le fromage. Pretzel. Et Petzel. Moi, je dis Pretzel. La bouffe. Et de vierge, ça non? Non, mais en fait, je sais pas si ton frère en a eu là. Est-ce que t'en as eu du fromage? T'en as eu, Alex? Non, j'en ai pas eu. Fais gaffe, fais gaffe! Il y en a plus! Et toi, t'en as pas eu? C'est pas grave, t'inquiète. Bah tiens, prends un bout de sauce! Regarde, un bout de sauce! Ok, je sais pas non! Ah, mais ça y est, on verra une épreuve en Skype! Pourquoi cet état d'esprit là, les gars? Et je crois qu'on a le droit de tailler, on a dit! Et pour moi, c'est peut-être bien vous à la fin, les deux derniers qui partent comme des tarés qui arrivent pas à rattraper! Oh. Ils ont fait les cakes, ils arrivaient pas à passer sur la poutre! Alors c'était hyper simple la poutre, y aller! Il a fait 12 passages! C'est le meilleur dessus! 7. 7 hors taxe. Hors taxe. Qu'on est... Vous pensez que c'est quelle heure? Dis quelle heure? C'est heure. Alors, moi je dis 18. 18. 18. Ah ouais? 18. Mais non, mais on a nous si on a dormi 2 heures déjà. On a dormi 2 heures. Bah apparemment, une paire d'heures. Ah une paire d'heures, ah oui, je savais pas ce que c'était. C'est que tu donnes à Nico, jette-le plutôt, j'ai peur qu'il te morde les doigts. Alors si demain ou ce soir vous ne voyez pas l'épreuve, vous comprendrez qu'il n'était pas d'accord. Pardon? Deux, moi je pense. Non mais là je te dis, je t'annonce minimum deux. Moi deux. Deux. On aura une avant de manger. Enfin, on mange. Une ce soir, une pas. Allez. Merci. La petite douche. Merci à vous. À bientôt. Ben, merci à vous. N'hésitez merci pas. À vous. Merci à vous. Ce soir, à nous laisser gagner. On pourra nous rendre l'appareil. Ce soir, c'est les points. Ouais. Mais promis. Si elle bouffe. Merci. Bye bye. Merci. Ciao. Merci à vous. Ciao. Donc, qu'est-ce que vous avez pu penser du parcours du bataillé? On veut vos impressions. Eh ben, difficile, très difficile, une bonne pente, des bons obstacles hauts ou très bas, ou compliqués au niveau de la poutre, mais super intéressant. Enfin, on est là pour en chier, on n'est pas là pour, on est là pour batailler, on n'est pas là pour prendre des vacances. Donc c'était parfait, c'était ce qu'il fallait. Un peu déçu d'avoir perdu, mais c'est le jeu. Ben, c'était pas évident, hein. Il fallait les zoner à fond. Mais après, on a fait notre maximum, quoi. Ouais. Alors moi, j'étais un peu en difficulté, mais j'ai réussi à finir. Je suis content. Et nous, on s'est arraché. Enfin, tout le monde s'est arraché, mais on n'a pas gagné. Voilà. Mais ça va, les verts ont quand même partagé la bouffe. Donc, ouais, ils ont été fair play. Ouais. Ouais. On s'en rappellera. Bah, super sympa le parcours, vraiment. Ouais, il était bien, ouais. Après, on est un peu déçu du résultat, forcément. Ouais, mais c'est sûr, il y avait du saucisson au bout, mais bon. Pas aujourd'hui, le saucisson. Ah non, non. Ouais. Ça s'est joué à la poutre, je pense. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, hein. On est à 2 victoires depuis le début, ouais, une défaite. Première vraiment, défaite. Pas... Après, c'est juste que. Un goût amer quand même, parce qu'il y avait le saucisson en jeu. Ouais, voilà. Bon, on a bien bataillé. Ouais. Difficile, hein, quand difficile. Même. Ouais. Très, très bien fait, par contre. Super bien fait. Avec des jolis obstacles et des. Ils ont bien dû en chier pour le faire, mais était bien, plutôt sympathique, ouais. Dur. Ouais. Dur, cardio, et puis. Varié quand même, varié, parce qu'il y avait de l'équilibre. Il fallait un peu gérer sa rapidité. Et, ouais. Ouais, non, en plus, il y avait une bonne ambiance, une bonne émulation. Tout le monde s'encourageait, que ce soit vert ou marron. Tout le monde participait au truc, donc c'était plutôt bien. Surtout l'obstacle le plus difficile pour vous, c'était quoi? Moi, je dis la poutre. Ouais, c'était la poutre, le passage de la poutre. La poutre a été laborieuse. Ouais. C'est vrai que la pente était mine de rien assez sévère. Et la poutre, il fallait prendre quelques secondes pour repartir. Ouais. Mais en même temps, derrière, il y a la pression parce qu'il y a un autre collègue qui débarque. C'est ça. Il ne faut pas laisser la poutre. C'était tout con, mais la poutre. La poutre, je crois qu'elle a plié tout le monde. Ouais.
Et si vous auriez gagné, est-ce que vous auriez partagé? On s'est posé la question ce matin et on était plutôt pour aussi. Ouais. On était plutôt pour aussi. Ben oui. Oui, bien sûr. Évidemment. Le pain, un petit peu de sauce. Ouais, un petit bout de quignon, on leur a donné. On est des êtres humains avant tout, hein. C'est normal. Hein. Bah, moi, je sais pas. Mais si le groupe aurait voulu qu'on le partage, j'aurais rien dit. Mais je suis pas sûr que de moi, de ma part, j'aurais partagé. Moi, j'en avais parlé avec juste mon beau-frère, Yannick, enfin Yann. Ouais. Voilà, donc nous, on aurait partagé. Et pour en avoir discuté un petit peu avec l'autre équipe, je pense que dans l'état d'esprit, les anciens étaient prêts à partager. Les jeunes sont les méchants et les anciens. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais vous êtes plus dans le mode compétition, ce qui est ouais, bien. C'est vrai. Et que nous, on est plus dans le monde partage. Après, ça fait quand même plaisir. Mais vous nous auriez écouté. Et j'ai une équipe. Chaque fois qu'on dit quelque chose, ils sont à l'écoute. Donc, ils nous auraient dit, c'est vous qui décidez. Voilà. Petit moment de partage là tout à l'heure, c'était chouette. Ouais. Vous avez trouvé ça comment? Puis, ils ont appris à les connaître. En plus, on les connaissait pas. Là, ils ont vraiment partager, c'est le mot partager. Ouais, donc partage, c'est ce que je suis venu faire ici. Donc pour moi, c'est bonheur. Ouais, après, j'ai la chance de connaître la personne qui s'occupe de l'équipe d'en face. Donc c'est mon papa et ma maman qui vont être fiers. Les équipes sont appelées pour une prochaine épreuve, l'épreuve des duels. Tous les membres des deux équipes vont devoir s'affronter un par un dans divers duels.